Il sent qu'il va avoir du frag dans cette partie, il est super confiant, Elfen. Et voilà, bah, Léviathan, quand tu frags, c'est Imba. Ah bah ouais, avec un caster, franchement, voilà. Moi, je le prends. Avec et voilà, leur stratégie pour le tanking, tout simplement. Voilà. On se demandait comment ils feraient. Léviathan. Brandre Léviathan. Warmog, force de la nature. Complètement voilà, viable. Voilà, et il prend tous les kills. Et un Atma à la fin. Pour tout charger, voilà. L'Atma, surtout, pour rentabiliser son auto-attaque. Exactement, parce que bah, franchement, Brand, il a une auto-attaque pas dégueulasse hein, pour un caster. Voilà, donc. Une optique très intéressante, mais plutôt, je parierais pour être plus sérieux sur une double volonté des anciens. Ouais, bah. Le classique, hein. Le classique. Vladimir Brand, volonté des anciens, c'est parce que les deux le portent très bien l'objet. En plus, oui, c'est assez magique sur les deux, c'est vraiment quelque chose qui leur va comme un gant, je veux dire. Y a pas à chier, c'est des items qui rentabilisent à fond, ils ont c'est des traits courts. Mais est-ce que tu penses qu'un gant sur Brand, vu qu'il balance du feu par ses mains, c'est pas un peu too much? Un gant? Pourquoi? On t'a dit ça leur va comme un gant. Ah ouais, peut-être, c'est vrai. On dit qu'on a un gank mid. Au lieu de gant, on a un gank mid. Nunu le zéro absolu. Claque-le maintenant. Oh, il a eu le temps de se barrer. Oh là, il a pris très cher. Mais quand même, l'ulti sur. Non, ça suffira pas. Laura qui empêche. Irelia qui se fait. Enfin, F qui s'est fait dépop. Irelia qui s'est fait achever. Et là, il reste Brand. Mais Brand qui a plus grand chose. Brand contre. Il a plus de mana surtout. C'est ça qui inquiète. Il a la rune. Il a son buff bleu qui va temporiser. Il faut éviter ce skill shot. Il évite le skill shot, il peut y arriver, il le tente. Allez, une petite conflag là. Petite conflagration, mais regarde, elle est au milieu de ses creeps, elle évite à démarrer le skill shot. Oh mon dieu, ah, mais ça joue à rien. Regarde la flaque là qui l'empêche d'avancer dans. Ah, il lâche la colonne de flamme, mais non, ils peuvent pas tenter de paraître d'autres, c'est trop dangereux. Il peut, si. Allez, moi j'y crois. Une boule de feu, il y a plus de mana là. Ça va dépendre d'un dodge. Ouh, la colonne de flamme qui ne passe pas, elle va tenter quelque chose, Morgana. Là, faut qu'elle rentre très vite chez elle parce qu'il a ma grande, cours. La colonne de flamme n'est pas passée, c'est très très chaud. Bon, joli duel, très joli duel, très plein de suspense pendant que. Pendant ce temps-là, Kefine qui tombe. Oh voilà, la fatigue. Ulti Janna pour la sauver. Il faut se mettre au milieu. Non, mets-toi au milieu, c'est bon, elle s'est mise au milieu. Oula, j'ai eu peur. Et voilà, Caitlyn qui a pris aussi une fatigue, donc qui n'a pas pu finir le DPS qu'elle était en train de donner en plus avec l'ulti Janna, voilà. Bien temporisé, bien joué. Et oula, what was that? WTF barbecue. Je sais pas, j'ai pas vu. Et ouais, donc là c'est chaud et voilà Vladimir qui est revenu prendre possession de sa lane, qui continue à complètement acculer Irelia. Irelia y arrive pas. On dit qu'on a un gank là, Evelyn qui est venu par derrière et qui va peut-être apporter le surnombre ici. Miss Fortune qui est très low life quand même. Il y a pas de vie, mais là il y a moyen de faire quelque chose là, une petite tornade, un petit shield, n'importe quoi. C'est chaud. Elle a pris le piège. Miss Fortune qui n'ose pas. Regarde, si elle prend un shoot, elle est morte. Et en haut, on prend la tour. Vladimir qui prend la tour, c'est bien ça. C'est bien pour les origines. Voilà, et Elfen là qui a réussi, qui revient avec sa baguette et son catalyse. Qui a un très bon stuff pour caster en early game. Le catalyse qui donne une bonne survie, une bonne regen mana. Et la baguette trop grosse, on ne la nomme plus, hein. Elle est vraiment trop grosse, elle fait beaucoup trop mal. Le escape, comme on l'appelle. Ah, elle fait très très mal, quoi. Non, c'est. Surtout enfin avec Brand, ça monte très très vite les dégâts. Le Rabadon sur Brand, c'est. Ouais, Janna qui a 0-3-0 quand même, elle se fait un peu double. Mais bon, vaut mieux ça que ce soit leur carry, hein, clairement. Donc elle prend un peu dans la gueule pour toute la team, mais voilà. Evelyn qui a enfin fini sa lanterne de Vriegel, donc là elle va pouvoir enfin jungle. Mais en fait, c'est un peu bizarre comme ordre parce que t'es censé te servir de ta lanterne au moment où tu jungles encore beaucoup. Et là, elle ne jungle plus beaucoup. Ouais, moi je suis pas trop d'accord avec cet ordre là. Après, Elfen m'a dit en passant le replay qu'il faisait des tests sur Evelyn. Bon, en compète. En compète. C'est des gens comme ça. C'est couillu. Donc pourquoi pas. Si je testais mon guerre NAP en compète. Mais moi je trouve que c'est pas optimal de la jouer comme ça parce que la lanterne de Vriegel, tu te dois de la finir tôt avec le rasoir pour pouvoir bien jungle. Ouais, tout comme je désapprouve le stuff d'Elfen qui n'a pas fait le Léviathan. Ah oui, non, là vraiment par contre, grosse erreur pour moi. Oh, Caitlyn qui se fait attraper par Eve. L'ulti là-dedans, ça fait très très mal ça. Ah voilà, oulala, Sona qui a tenté d'ulti pour temporiser. On l'a senti, l'énorme burst que peut avoir cette équipe. Voilà, Vladimir qui a complètement dépop Sona. Première volonté des anciens, là qui est là, ça va aider à faire la un bon première, petit coup de main à Brand. Il la donne à Vladimir, c'est normal, c'est bien, disons que sur Vladimir, le vol de vie. Oh, c'est optimal. Ce burst, attention par contre, la Eve qui se fait dégommer par la
tour. Voilà, la colonne de flamme avec le stun de Brand. Mais voilà, en face, on met pas assez les tanks devant. Là, il faut qu'ils mettent un tank avec le bouclier de Morgana qui est anti-magie. Il faut balancer Nunu, voilà, booster au sang chaud, bouclier de Morgana. Voilà, et qu'ils puissent tanker ça et un peu faire peur à l'équipe adverse. Parce que on a beau dire quand même, les origines online sont très fragiles parce qu'ils ont pas de très bon engage, quoi. Bah, surtout s'il y a un oracle, et je crois que Nunu a toujours son oracle d'ailleurs. Nunu, est-ce qu'il... Oui, il doit toujours l'avoir. Doit toujours l'avoir, ouais. Et en face, ça ward, ça prend des contre-ward, donc voilà, il y a une petite bataille pour le map control qui s'engage, à voir qui va gagner, mais la Brand est quand même à 4-0-2, donc il est bien, il est vraiment bien comme au niveau du stuff, et je pense qu'il aura son Rabadon bien avant les 25 minutes de jeu. Ouais, bah ouais. Et bon, alors, Nunu, est-ce qu'il a toujours son oracle? Non, il ne l'a plus, il s'est fait dégommer tout à l'heure. Il est tombé, oui, il est tombé en fait tout à l'heure. Et voilà, Brand qui farm mid. Il va falloir qu'il empêche un peu de farm ce Brand parce que ça va vraiment être leur problème, quoi. Avec, il suffit que Vladimir mette son ulti dans le tas et après. Il rentre par-dessus, il en tue deux. Voilà, après il s'assoit, il regarde Brand et c'est Brand qui fait le show, quoi. Donc, clairement. La guerre d'étoiles continue, l'étoile noire contre la force, la vraie. Voilà, la Caitlyn qui farm un peu, elle est un peu acide par Nunu sur sa lane, Irelia qui est laissée seule, mais voilà, là les tris qui sont complètement séparés, et le dragon qui est laissé, eh ben free quoi, ils ont même pas tenté de le défendre, je sais pas s'il y a des wards ou autre, mais là c'est dommage quoi, ouais. Un dragon free, bon. Et puis il y a Brand qui fait son farm, oh attention Morgana là, qu'est-ce que tu fais, la colonne de flamme, elle est complètement isolée, elle se fait complètement découper. Alors c'est des choses qui m'arrivent de temps en temps, hein. C'est le jeu, je ne regarde absolument pas la trajectoire de mon personnage, et je m'aperçois que finalement je me retrouve à faire un fake-check comme une personne. Et le joli flash de Elfun qui arrive avec son ulti, la colonne de flamme, tout le ça, burst c'est déployé. C'est vraiment dommage de se donner comme ça, c'est ah cadeau, ouais, et après voilà, Caitlyn qui va tomber, elle va se faire dive aussi, elle a aucune chance de s'en tirer là. L'ulti de Miss Fortune, c'est joli, oh Miss Fortune qui a envoyé un gros boulet dans la gueule. C'est du feed qu'il ne faut absolument pas donner à Brand là. Là c'est vraiment du free feed, clairement. En plus les tricks étaient largement devant au niveau des kills avant. Ils étaient pas trop mal avant cette série de fails assez incroyable, j'ai trouvé. Bon, Irelia va venir push en attendant, mais ça va être juste un échange de tours là. Il y a personne pour défendre en bas. Ouais, mais la lumière va quand même venir d'Irelia si jamais elle vient pour les tricks, je pense, parce que. Bah elle a pas un farming Attends, double pierre philosophale, sandy creep, attends. À partir de. Si on arrive à 30 minutes de jeu, Irelia va être une véritable saloperie. Franchement je sais pas, il y a tellement de burst que pour Irelia ce sera pas finalement un énorme problème si elle fonce dans le tas comme une bouchère. C'est vrai que ça peut être intéressant quoi, vraiment. Nunu qui a passé sa phase où il était vraiment très intéressant en termes de gank, maintenant son rôle va être de booster son carry, de tanker. Faire peur avec un petit coup de zéro absolu dans un teamfight. Voilà, c'est ça, donc et surtout le glaçon peut-être pour ralentir éventuel focus. Il est parti sur mon de Négatron. Donc il va faire son voile de la Banshee et ça va être intéressant de voir sur qui les tri décident de se focaliser en teamfight. C'est ça aussi qui va être compliqué pour eux, il y a tellement en fait de menaces en fait Brand en face. Brand, faut tuer Brand. Qu'il faut tuer Brand, ouais. Tuons Brand. Ah, qui ne finit pas son... Ah ouais, carrément, plus d'AP quoi. Ouais, il devait pas avoir assez pour finir la formule du Rabadon, donc hop, ouais, là je prends une baguette en plus. Et parce qu'il s'est dit, on sait jamais, peut-être qu'il va avoir un teamfight là et que ce serait bien d'avoir une baguette en plus dans les mains. Ah bah il commence à en avoir des baguettes. Hein. Ouais, là il commence à en avoir un sacré paquet, voilà. Bon, au niveau des lanes, au niveau des tours, ça donne quoi? Deux pour les tri, deux pour les origines online aussi, c'est très équilibré, en plus c'est sur les mêmes lanes. Là un peu d'Arras, le DPS, et là l'ulti qui arrive, qui rebondit à coup. Oh mon dieu, ça rebondit, ça suffit. Le passif, je pensais qu'il aurait pu mettre son bouclier pour un peu. Oh, la colonne de flamme de nouveau. Evelyn qui va se faire dépop. Complètement dépop, le zéro absolu qui a été stoppé, net, mais quand même. Et Irelia qui commence à faire mal et qui fait dépop, mais Brand est une véritable salope. Il y a tellement de DPS. Il y a trop de DPS. Brand fait si mal. Je vais me remettre à le jouer ce truc là. Hein. C'est vrai que tu t'es arrêté, j'ai pas compris pourquoi il est bien ce perso. Je m'amusais bien avec Annie. Vous avez vu mon ours T-Burst? Oui. Là, tu l'as vu mon gros ours T-Burst. Mais là, tu l'as vu ma grosse colonne de flammes? Ouais, non, c'est. Ouais, non, ça fait très mal, hein, vraiment. Et en face, il faut qu'ils fassent tous un peu de résistance magie parce que. Actuellement, il n'y en a pas. Double menton de Négatron sur Nunu. Enfin, chez Nunu, pardon. Il n'y en a pas à l'heure actuelle de résistance magie et je pense que ça leur manque vraiment cruellement parce que. Il faut qu'ils encaissent ce burst, tout simplement.
tout à fait, tout à fait. Et là, il faudrait qu'il y ait un petit bac, peut-être rapidement, allez, une petite colonne de flammes, on dépop tout ça, on va chercher le rabadon. Ouais, là, il doit avoir de quoi faire le rabadon. Et on va faire un petit coucou de la main. Mais il va passer à quoi, 350 d'AP là, quelque chose comme ça, non? Il est à 228. Il y passera. 300, ouais. 300, il fera ses 300. Un peu plus de 300, je pense. Et voilà, le bleu qui est laissé à Elfen de nouveau. Bon, Brand qui va vraiment, littéralement, carry cette game. Voilà, hein, comme on le disait, il suffit que Vladimir pose un ulti. Brand lance le sien, voilà. Avec une colonne de flamme. Et le défi pour les tris, ça va être d'empêcher le fameux... Et c'est là où tu te dis que finalement, Janna a la place de Stone dans leur équipe... Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être assez sympa. Ça aurait pu être intéressant. Ouais, mais va savoir après comment se sont fait les picks et les bans. On n'en a aucune idée dans quel ordre. Peut-être justement que les Origin Online ont prévu le coup. Ouais, ils ont bloqué Janna. Mmh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est pas si commun de ça de voir une Janna MF. Ouais, on la préfère avec un truc un peu plus agressif. Même ouais, si Janna est pas mal dans son genre. Mais genre avec un Taric, mon dieu, quelle avec horreur. Avec un Taric, ouais, c'est ça. Mmh. C'est typiquement. Même avec une Sona, avec un Taric. Enfin, un truc qui. Qui envoie un peu de DPS. Ouais, pour agresser quoi, vraiment. Voilà, donc ils ont peut-être réussi, ils sont peut-être dit merde, faut vite qu'on bloque. De toute façon, l'option de l'agression était vraiment prise du côté des tri avec Sona plus Caitlyn quoi. Mais bon, d'ailleurs, on a vu que ça a marché. Attention à ne pas trop s'aventurer Sona. C'est dommage, la ward qui explode, c'est dommage. Les tri qui tentent de push là, Elfen qui a pris assez cher mid, qui s'est fait prendre un parti. Est-ce qu'ils vont tenter de push sachant que Brand n'est pas en état de défendre. 342. Ouais, 342, donc c'est bien ce que je dis, il se rappelle des 350. Et est-ce qu'il va partir maintenant sur une volonté des anciens lui aussi? À voir. Ou est-ce qu'ils vont prendre l'option du seul? Il va finir son séculaire d'abord, je pense. Ce serait bizarre quand même de pas en prendre une deuxième. Hein. Ce serait dommage. Pour Vladimir, ça donnerait tellement un boost à Vladimir monstrueux. Mmh, c'est ça. Et ça permettrait peut-être même limite de faire tanker un tout petit peu Vladimir. Regarde, il est pas tentant Miss Fortune dans sa robe de soirée, là, courir avec ses petits cœurs derrière. Allez, mais allez, démontez-lui la tête là! C'est le problème de l'engage. Il faut tout d'un coup, en fait, c'est Vladimir, il faut qu'il se lance, il faut qu'il foute un ulti, il faut que Brand arrive juste derrière. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Parfois, ils engagent même à la Evin. Evin stun, mais le problème, c'est qu'Evin. Enfin, Evin, disons, 400 PV. C'est un engage sacrifice, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu dommage, mais voilà, il faut que Caitlyn mette un peu plus de pièges au mid pour un peu plus sécuriser les teamfights. Si jamais ils ont à back de façon un peu précipitée. Qu'est-ce que ça aurait pu être drôle avec un Amumu dans cette compo? Ah bah je pense qu'il a été ban, c'est sûr. Ça c'est obligatoire qu'il ait été ban. S'il a pas été pris, c'est qu'il a été ban. Et voilà, bah finalement, voilà, ils ont quand même le haras de l'équipe bleue qui est assez sympa. Il commence à porter ses fruits. Il n'y a pas de tank en face pour vraiment permettre un engage safe. C'est un peu le problème. C'est ce qu'on avait dit, et ça va leur manquer d'un engage. Voilà, il va manquer un engage, mais on va voir vraiment comment ils vont s'en tirer. Et j'avais pas précisé que cette game était la deuxième manche de la confrontation qui est en best of three, je crois. Donc voilà, c'était juste petite info comme d'accord. Ça, lâché au pif. Le dragon qui vient de repop, il a repop à 26 minutes. Tout à l'heure, il y avait le timer et les tris qui profitent tout de suite du fait qu'ils avaient mis la pression au Origin Online pour faire le dragon. Ils remettent les compteurs à zéro et ouh, Elfen, la petite colonne de flamme de nouveau, le skill mais shot. Mais non, dommage, ouais, c'est. Il pourrait en profiter pour push mid là du coup, hein. Là ce serait pas mal, et ils vont le faire, ils vont se précipiter mid, ils vont le push. Ouais, parce que les tri ne sont pas là, donc peut-être qu'il y a une tour à prendre là, punir un peu les tri, qu'ils ne soient plus safe du tout. Il n'y aurait plus de première ligne de tour. Et là, coup, ça, là voilà. Ça serait bien, là ça ouvrirait un peu des combats dans les jungles. Ouais, intéressant. Ouais, surtout pour Brand, un petit combat, une colonne de flammes dans un couloir. Dans un endroit où les gens sont bien paqués, c'est un massacre vraiment. Et il a de quoi finir son séculaire. Est-ce qu'il va rentrer pour que ça commence à se stack? Non. Et ça va Ah, c'est vrai qu'il faudrait peut-être défendre Nashor là maintenant à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que Nashor va commencer à devenir un enjeu un peu, surtout que le dragon vient de tomber. Voilà. Le dragon vient de tomber et bah oui, les tris savent très bien. Oh, Caitlyn, enfin Evin qui se fait attraper par un skill shot de Morgana. Voilà, là il y a un petit piège de Vladimir. C'est vrai qu'il y a un très bon haras de la part des tris qui ont une équipe un peu qui est un peu plus forte pour ça. Bah une petite flaque de Morgana sous une tour. Un skill shot qui part, qui fait un peu se disperser voilà. Les adversaires. Ça permet d'ouvrir la voie vraiment pour aller taper sur la tour, quelques auto-hits, un petit piltover, du carry, voilà, on est bien. C'est ça. Ça permet vraiment d'éloigner les adversaires de la tour, comme ça le carry il va, il met quelques shoots. Et là il n'y a plus de ward. Là par contre il n'y a plus de ward, c'est assez emmerdant. Là c'est très très dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Janna ne peut pas y aller parce que si elle fait un face check, elle risque de. Voilà, la clairvoyance, c'est bon. Ah, mais il faut mettre une ward sur Nashor là. Faut vraiment mettre une ward. Voilà, dans ce genre de situation, ce que vous faites, hein, pour pas vous faire des wards, vous la posez sur Nashor. C'est vraiment la réponse. Oui, mais il y a un trick. Oui, il y a un trick, c'est vrai, il paraît qu'on peut faire une auto-attaque. Que Joti m'a donné d'ailleurs, petit bisou à lui. Ouais, que Joti
qui m'a filé, il m'a dit que dans les commandes, il y avait un bouton pour faire attaque de zone. Oh, attaque oui. de zone, voilà. Et qu'en fait, quand il y avait la ward sur Nashor, on fait attaque de zone et ça. Il faut essayer de se bien positionner pour qu'en fait la première cible soit la ward ennemie. Non, mais ça prend en priorité. Ça prend la ward. Ça prend en priorité les cibles adverses. Et comme ma